sais pas ce qu'ils font là, mais... Ah oui, ils ont leur... Ok, il va sortir du en fait. Ok, donc ça va, des Yung Ling Fox. Ouais, ouais. Intéressant, ouais, on aime bien les grenades hein, du côté de Rochard River. Ce qui est bombe. C'est ça. Ça fait plaisir. Donc après, Yung Ling, c'est pas très intéressant. Ça crée une bonne frame rate au corps à corps, donc toujours des trucs sympas quand même. Sauf que tu vois plus de trucs sympas avec Yung Ling qu'avec... Ça part direct là. Donc, ouais, c'est un petit peu la tambouille au projo d'un Link enfant assez classique. Et du coup, il permet de prendre 20% d'avantage. Faut pas changer les noms aussi. Oui, c'est vrai ça. Ouais, bah, des amis. Et le score aussi. Merci la ouais, on va trouver. Ah oui, c'est ça qu'il faut dire. Ah, voilà, nickel. Et c'est bon du bon côté. Ouais, c'est bon. Et du coup, bah, c'est toujours un très léger avantage pour la petite phase de ledge trap avec les collectifs. Okay, on arrive à trouver le nerf en ledge trap. Maintenant, voilà, on sort un petit peu toute la tambouille qui est capable de sortir Yung Ling. On se fait reverse, on se fait mettre offstage. Voilà, on retrouve. Oula, le boomerang qui le sauve. Le boomerang qui sauve là et ça qui permet c'était, de c'était on point stock, ça. Ouais. Côté de... C'était l'interaction était un petit peu bizarre, mais ok. Ah, pour le coup, ouais. C'est ça, il a oublié le boomerang. Hein. C'était un peu un call the ambulance, but not for me, quoi. Ok. La cloche qu'on verra offstage, ça me fait bien, mais avec la fin de l'Hitbox, sans doute. Oh, ok. Ça trouve la flash. On va accueillir l'atterrissage avec le smash, et ça plus vite. Et bah, la game est de nouveau even. On n'a pas réussi à accentuer son avantage du coup. Voilà, c'est vraiment très dur hein. Quand le moment, dès que t'es au-dessus de 110%, c'est t'as une pression permanente. C'est ça, c'est que Fox, ça peut tuer avec des bons confirms. Et justement, parce que t'as une pression, t'es poussé à faire des virages. Ouh, la recovery. Oh, la recovery un peu hésitante là. Il a out un petit peu. Je sais pas, ouais. Et ça lui a tué son vite. Je sais pas s'il a vraiment essayé d'être. Il a pas réussi à revenir. Pour passer. Pendant qu'on a des dingueries apparemment. C'est pas que Cal. Cal a gagné, les amis. Je crois que Cal a gagné. GG à lui. Et pendant longtemps, j'avais pas vu, mais. J'avais pas fait gaffe, mais en fait, Rochard, bah oui, tu vas. Non, c'est bon, c'était. En fait, on a rien raté, les amis. Ouais, bah là, du coup, finalement, une stock entière d'avance du côté de Mono. Mm. Ok, on tente l'upswash. L'upswash qu'on avait pu tuer, mais qui s'est interrompu. Je crois qu'il a mis un nerf, en fait, comme ça. Là, il y a moyen qu'un upswash, ça tue. Hein. Ouais, on commence à. Tous les jours. Donc voilà, maintenant faut vraiment prendre la stock assez vite. Ok. Ben voilà, assez vite du côté de Rochard et ce sera fait avec ce affaire. Maintenant voilà, il y a de la rage du côté de Rochard. Le comeback est possible. Voilà, tu vois, si tu trouves des bons petits combos comme ça, ouf. Des bonnes petites phases. Oh là, ça, il y a une phase incroyable. Oh dommage. Voilà. Non, ce smash qui était. On a été un peu greedy. Ce smash qui était en plus, il était vraiment loin pour le coup, donc. On était un peu dans le feu de l'action. C'était peut-être un petit peu greedy. Ou alors c'était on a considéré qu'il allait dodge sur nous, je sais pas. Peut-être c'était un espèce de read pour la dodge in. En tout cas, je sais pas du tout, mais je vais mettre le score à jour. Il a permis à un moment de prendre la soc avec son propre smash. Exactement. Pendant que la foule est en délire. Vraiment la foule. Ça n'a jamais vu des sets aussi hype à Bordeaux. Ça imite Mario, ouais. Il se passe des trucs de fou. Ok, bah c'est bon, du coup on repart, il me semble, sur PC. Mais ouais, c'est intéressant parce que Rochard arrive à chaque fois à prendre l'avantage du début. Hop, on trouve une petite jablock. Avec le jablock du côté de mon intéressant. Totalement even. Oui, on se concentre complètement even. Oh, dommage, le père un peu sur la droite. Ok, on remet offstage encore une fois, on va chercher. Et on arrive à se remettre, à reprendre le centre du stage du côté de Rochard, mais aussitôt perdu. Ok, belle pari pour reprendre l'avantage. Là c'était compliqué là. Le Shine, ok, on s'adapte, on commence peut-être à s'adapter un peu au projet en disant Shine, c'est sympa. Et là, bah ouais, c'est encore assez even. Hein. Ouais, on trouve le side B, pas de pair à la suite. On va réussir à catch soit... le Oh, le danger là.
Ok, on préfère se faire grave parce qu'au moins on n'a pas trop de problèmes. On peut pas trop mourir là, alors. On peut pas trop mourir de ce grave. Mais ça va continuer, hein, le nerf. Ouais, le nerf, c'est le problème. Il est là le problème. Mais bon, on peut toujours essayer de prendre la stock du côté local, en essayant de pas trop prendre de pourcent. Voilà, encore cette fois avec le petit jablock. Je crois que c'est la deuxième fois de la game qu'il le fait. Ouais, c'est ça. Ça marche bien. Écoute, ça marche bien, il continue. Là, c'est dommage, j'ai l'impression que limite, on... du coup, on a un peu peur du côté de Rocharise. On joue plus patient. Et Momon qui met encore plus la pression. Et du coup, ouais, on subit un peu la pression de Momon. Ouais. Ouais, tu vois, il y a pas mal de side beats qui sont passés. Ok, on trouve le down beat. Oui, t'es avec le down air. Grave, on se refait remettre comme c'est là, c'est compliqué. Ouais, là, c'est et on n'arrive pas à attraper le avec le taser. Ouais. Là, c'est deux stocks d'avancement. Deux stocks chez sec et encore faut la prendre. Et bah, là, là, en plus, de belles phases d'avantage au monde, 61% directement, c'est compliqué. Là, on est full rage. Là, ouais, ça va commencer. Oh, ok, le shine, un combo breaker, intéressant. On est sur mêlée. C'est bon, on est sur mêlée, c'est sûr. Ouais, ça tue. Ça tue. L'honneur est sauf, les amis. Mais ouais, ça va quand même être compliqué d'aller chercher la game. Hein. Le point ne sera pas serré après cette game. Oh, le point, je pense qu'il va être serré. Théâtre. Là, on a une bonne phase. Hein. Bonne phase, on est remonté à 114%. Là, on. Et on n'est pas encore à kill pour cent. Ok, ça tue pas, mais c'est pas loin. Le problème, c'est que la monde de Rocharis peut lui coûter la game. Clairement. Et il va falloir en faire pas beaucoup d'erreurs, ouais. La situation de Momon est quand même vachement plus confortable actuellement. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de temps avant. Oh, ok, on trouve la deuxième stock. Il vient catch. On voulait sans doute aller venir chercher avec un EPR. Il va faire très gaffe. Ça faisait plusieurs fois. Rocharis est venu. On a eu très peur du down air. Du up smash, je veux dire. Ok, on reprend l'avance. Ouais, finalement, le comeback n'est plus si impossible que ça. Là, faut faire très gaffe. Momon, il attend le saut. Il attend le saut à chaque fois. Dans ces cas-là, il faut jouer presque. Voilà, il va falloir jouer. Ok, on a tempo sur la plateforme du haut. Oulala, ouais. Tech. On la trouve pas. Et là, je crois que le jab, on n'y a pas cru. Hein. Parce qu'on l'a pas continué. Et toujours debout, toujours la banane. C'est vrai que overlow. Tranquille, on prend son temps. On sort encore de la pression au niveau du trap et on reprend le temps. Et là, faut faire attention parce qu'avec avec la rage, là, un down air, un EPR, ça tue. Hein. La dash attack, il y a moyen que ça tue. Oui, là, c'est. Là, en vrai, je pense qu'il y a des confirmes au EPR qui tuent à ces pourcentages-là. C'est quand même, fou hein, qu'il soit revenu. C'est du lastic last stock en fait. Clairement. Ouais, on peut le dire, on peut le dire. Là, on trouve un grave, ça tue toujours pas. Là, faut faire gaffe au nerf maintenant. Là, tout tue. Hein. Oui. Ouh là là. Non, je crois que ça va tuer les amis. Aïe. 190%, faut que ça tue un moment. Se faire tuer sur un fort instant, c'est quand même dommage. Hein. Parce que là il était revenu des enfers, le pote Rocharise. Le comeback il aurait été incroyable. On y a cru. Vraiment dommage. Mais tu crois que j'ai fait exprès?